Bonsoir à tous, c'est Grégoire Margoton, très heureux de vous retrouver. Grégoire, les joueurs sont déterminés, sont prêts à aller au combat, on va vraiment se régaler ce soir. Voici le moment que nous attendions tous depuis le début, la grande finale. Le public est impatient, très impatient. Ce match s'annonce grandiose. Ça y est, c'est parti pour cette finale, un tournoi qui a prouvé en plus que le fossé entre le sud qui dominait et le nord s'est quelque peu résorbé. D'après la feuille de match, il devrait évoluer en 4-4-2. C'est sans doute la formule du succès en ce qui les concerne et ça leur convient parfaitement. Il renvoie le ballon à son partenaire. C'est maintenant. Encore. C'était bien tenté, mais il a manqué beaucoup de précision. Ce joueur est incroyable. Tu lui laisses 2 cm, il dégaine plus vite que son ombre. Il tire dans tous les coins. Joli duel, il a gagné le ballon. Quelle erreur de défense, ils vont en profiter. C'est bien vu, bien anticipé. Un manque de coordination là. L'occasion de marquer le premier but. Il a dégagé. Saïfi. Il tente sa chance. Le gardien a remis de l'ordre. Peut-être un centre. Il est dans la surface. Aïe, c'est dedans. Ils encaissent ce premier but. Il va falloir réagir maintenant, vite. Du milieu de terrain, il s'est incorporé en attaque. Aucun défenseur ne l'a suivi. C'est déjà trop tard. Il est seul pour marquer le but. Et le public qui siffle et qui espère une réaction vraiment de ses joueurs maintenant. Ils viennent de prendre l'avantage, il reste maintenant à prendre le match à son compte. Ouais, c'est une équipe solide et de bien meilleure qualité. Tôt ou tard, ils finiront forcément par marquer. Ils ont littéralement confisqué le ballon, franchement c'est bien joué. Il faudra mieux jouer que ça pour tromper la défense. Minutes de jeu au chronomètre. Faute et coup franc en logique. Non, ça ne va pas être facile d'ici. Et le danger n'est pas éloigné. Ce
Ce contre peut très bien aller au bout. Bien joué, plein axe. Il va frapper. C'est bien d'utiliser la largeur, de passer par les ailes. Il tente la frappe. C'est pas bien joué, il faut s'appliquer. Rami, ça peut être extrêmement dangereux. Il faut qu'il soigne son ballon. Le gardien l'a attrapé. Et le duel est gagné, c'est bien. Et non, le ballon a été récupéré. Allez, un nouveau but peut-être. L'attaque est stoppée net, ça ne donnera rien. Abidal. Le contre, voilà l'arme redoutable. Abidal. Et c'est le grand, superbe but et la belle égalisation. Elle arrive à temps cette première période, tout est relancé. Quel sang-froid et quelle sérénité. À aucun moment il n'a paniqué face au gardien. Et il est en réussite. Deux matchs, deux buts. Le match reprend et tout reste à jouer. Ah, ça c'est bien fait, ça c'est inscrire un but égalisateur au meilleur moment. Ça va vraiment les pousser, je pense qu'ils vont prendre tous les risques avant la crucifix finale. Malouda. Avec Lucio. Avec Maicon. Zani. Pour Rami. Il a du champ dans son couloir. Là-bas, un partenaire dans l'axe. Abidal, quelle technique individuelle. Bon, la frappe détournée. Et du mouvement dans la surface. Oh, la belle occasion. L'adversaire est un petit peu perdu, la possession de ballon milieu de terrain est vraiment impressionnante. Rien à dire pour l'instant, ils ont mis le pied sur le ballon, ça circule bien, on va peut-être voir de belles choses. Ça c'est vraiment du bon travail. Attention, c'est parti très vite. Plus que le gardien à passer. Abidal. Il a déjà fait beaucoup mieux, c'est sûr. Opportunité mal exploitée, ça leur aurait permis de prendre l'avance. C'est vraiment un loupé incroyable. C'est pas très spectaculaire, mais ceux qui aiment le foot vont apprécier ce ballon qui circule bien. Et franchement, ils vont avoir du mal à le perdre. Et ils reprennent le ballon. Ce contre peut aller au bout. Là, il pourrait centrer. Thank you.
quel centre dans la surface. Encore une occasion de centrer. Ça ne passera pas, pas cette fois. Que va-t-il faire? Il frappe au but. Utiliser sa vitesse, prendre le couloir. Bien joué, ça peut faire un contre. Il gêne son adversaire et récupère la balle. Cherchez l'espace. Toldo. Oh, le gardien tranquille, il savait que c'était pas cadré. Je n'en reviens pas, il était complètement démarqué. Comment peut-on passer à côté d'une telle occasion? Il doit s'en mordre les doigts. Oh, il n'y a plus beaucoup de temps là. L'arbitre regarde encore une fois sa montre. C'était pas une bonne inspiration, le ballon est perdu. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. C'est parti pour cette deuxième période. Les entraîneurs des deux équipes ont mis les choses au point pendant la pause. On va voir s'il y a des changements tactiques. Début dans cette première période et un régal pour les yeux des deux côtés du terrain. Tout laisse supposer que la seconde période sera à l'image de la première. Non seulement ils ont refait leur retard, mais maintenant ils sont devant. Le travail du milieu de terrain, il a créé le décalage qui lui permet d'être en position offensive pour marquer ce but. Écoutez ce stade, c'est beau et ça chante dans les tribunes. Et le match, bien sûr, est loin d'être joué. Ah, les supporters sont en délire. Ce but va leur remonter le moral. Il renverse complètement la situation. Je peux vous dire que l'entraîneur, il est aux anges. Oh, ça peut être fatal. Maicon. Oh, c'est dedans et c'est déjà un petit break pour eux avec deux buts d'avance. Quelle agilité, quelle promptitude pour pouvoir se mettre sur son pied droit. C'est un but magnifique. Cette avance de but pourrait les mettre à l'abri. Il faut juste maintenant rester vigilant. Ah, c'était le souhait de leur entraîneur. Il voulait que son équipe attaque en deuxième mi-temps, tambour battant. Voilà, ils sont récompensés et ils le méritent largement. Lucio. Malouda. Terry. Et il ne se précipite pas. Il donne le tempo vraiment à cette rencontre. Le ballon qui circule bien. C'est un ballon gagné. Camelli. Il passe le ballon au gardien. Zani. Saifi. Avec Abidal. Pour Toldo. Sur l'aile, il peut aller au bout. Long dégagement devant. Quel mauvais dégagement!
et aucune difficulté pour le gardien. Ça, c'est un ballon qu'il ne fallait pas perdre. Abidal. Ça peut rentrer cette fois. Ils ont bien essayé, mais le cadre se dérobe largement. Ah, c'est dommage, ils auraient pu sceller le sort du match définitif. L'entraîneur apporte quelques améliorations. Tactiquement, c'est plutôt intéressant. Le ballon circule bien. Il faut maintenant trouver l'ouverture. Terry. Avec Malouda. Pour Toldo. Pour Abidal. On est entré dans la dernière demi-heure de la rencontre. Saifi. Il a réussi une passe décisive depuis le début du match. Pour Maicon. On assiste à des séquences de jeu absolument magnifiques. Ça va peut-être finir par rentrer. Et la menace est écartée. Malouda. Abidal. Avec Toldo. Un ballon sans danger pour le gardien. C'était bien, c'était une frappe soudaine et puissante. Et tant qu'il n'y aura pas plus de précision, il n'y a aucune chance de marquer. Saifi, Zani, Rami, il a marqué un but décisif dans ce match. Mais c'est bien joué, bonne récupération du ballon. Oh, le contre, l'arme fatale. Il passe en retrait au gardien. Avec Maicon. Zani. Avec Toldo. Quelle bonne défense! Ça, c'est vraiment du beau football. Un ballon qui circule bien au sol, dans les airs, en face. Ils sont perdus. Et il lui a piqué le ballon. Et il peut marquer! Rater, c'est capté par le gardien. Un très long ballon. Ils obtiennent la touche. Et de nouveaux joueurs qui s'apprêtent à rentrer au jeu. C'est vrai qu'il n'était pas dans un grand jour aujourd'hui. Son remplacement me paraît tout à fait logique. Bonne sortie du gardien. Ils se remettent à attaquer. Ils ont bien raison. Il faut tenter quelque chose maintenant pour rester dans le match. Le ballon circule, ça, pas de problème, mais il faut concrétiser les mouvements. Attention, danger! C'est au fond, et ça fait trembler les tribunes. Quelle ambiance dans ce stade! Ah, il est tellement doué de son pied droit qu'avant même de recevoir le ballon, il savait déjà où il allait le mettre.
l'entraîneur doit sûrement penser qu'il faut juste essayer de tenir ce score. Quand on connaît la fragilité de la défense, je peux vous dire qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Oh, la belle passe en profondeur! Il peut frapper! Assez astucieux, il faut toujours savoir écarter le ballon. Mais il n'arrive pas à trouver de partenaire dans la surface. Il tente sa chance. Il la bloque. Il reprend le ballon maintenant. Ça, c'est un bon pressing. Il était bien placé pour l'intercepter. Bien joué l'écart. Maintenant, il est sans doute assez important. Il faut faire tourner le ballon. Gérer. Souvent que la chute est plus difficile au football est de marquer. Mais là, la passe était très très compliquée à réaliser. Coach qui veut sûrement appliquer une nouvelle tactique. Et c'est peut-être le score le plus élevé de toutes les rencontres entre ces deux équipes. Et en plus, ça n'a pas l'air d'être terminé. Là, l'entraîneur a pris ses responsabilités. C'était qui tout double, il fallait prendre des risques. Kameni. Ramé. Fatih. Zani. Pour Fatih. Tactiquement, le ballon charge illicite, dit l'arbitre, coup franc. Toldo. Ils ont toujours le contrôle du ballon. Il était hors-jeu, bien joué, l'arbitre assistant. C'est là le dernier changement autorisé dans cette rencontre. Pas étonnant qu'il soit remplacé à mon avis. Il était beaucoup trop loin de sa forme idéale. Je ne pense pas qu'il soit très content de son match d'aujourd'hui. Abidal. Abidal. C'était bien dans l'idée, mais ça passe largement à gauche. A souhaité le coup de grâce. On sent bien que ce match n'est pas encore terminé. Une seule minute d'arrêt de jeu. Champion d'Amérique, ils le sont maintenant, c'est terminé après avoir dominé ce tournoi du début jusqu'à la fin. Historique, on vit tous ensemble un moment historique. La joie des supporters, des joueurs, de l'entraîneur, c'est fabuleux, ils sont champions.
Ce match et cette victoire sont vraiment à l'image de la saison. C'est une équipe qui vraiment nous a fait vibrer, nous a régalé de bout en bout, nous ont fait plaisir à voir et à commenter. Quelle équipe, ils ont été exceptionnels tout au long de cette compétition. Regardez cette joie, vraiment, ils se sont sublimés et ont largement mérité leur victoire. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci Christophe de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. À très bientôt à tous. Salut !